Bienvenue au Parc de Hagenberg. Généralement, nous sommes une petite école qui se trouve dans le Software Park. Dans l'heure, nous faisons partie du Parc de Linz. Comme nous avons choisi la filière de communication, nous avons des matières spécialisées, par exemple la rhétorique et la communication. Pendant ces heures, nous apprenons comment on fait des discours. Nous apprenons trois langues étrangères. Anglais, français ou latin, et italien, espagnol ou tchèque. Somme toute, nous sommes une petite école avec une ambiance familiale et les profs et les élèves ont de bonnes relations. Venez avec nous! On va vous montrer notre école. Pour commencer, nous allons vous montrer les salles de classe. En Autriche, chaque classe a sa propre salle de classe. Et dans notre école, en ce moment, il y a 4 classes. Entrée, c'est notre salle de classe. En général, nous sommes 22 élèves, dont 18 filles et 4 garçons. Ici se trouve le canapé, sur lequel nous pouvons nous détendre pendant notre récréation. Une différence des écoles françaises et des écoles autrichiennes est que l'on ne change presque jamais de salle de classe, sauf pour des matières comme la physique, l'informatique ou le dessin. Pendant ces cours, nous sommes dans la salle de sciences naturelles et c'est là que nous allons maintenant. Ici, nous avons les matières la physique, la chimie et les SVT. On peut y faire des expériences et des essais. Nous nous trouvons actuellement dans la deuxième salle d'informatique. Elle est équipée d'ordinateurs et d'un vidéoprojecteur. Le bus circule chaque heure dans les directions de Freistadt et de Linz. Pour les professeurs ou les élèves qui viennent en voiture, il y a des parkings. Ah, ma copine Maya! Alors, la situation de se rendre à l'école en voiture et en bus est très pratique. Est-ce que tous les élèves prennent le bus pour venir à l'école? Maintenant, nous allons vers notre gymnase. Comme notre gymnase n'est pas dans l'établissement, nous devons marcher environ 5 minutes pour y aller. Venez avec moi. C'est notre salle de gym. Ici, nous nous trouvons dans la cuisine. Nous avons 3 cuisines dans le bâtiment qui peuvent être utilisées par tous les élèves et les professeurs. On peut réchauffer ce goûter ou cuisiner des plats. C'est dans nos toilettes. Nous avons 3 toilettes pour hommes et 3 toilettes pour femmes dans notre école. Nous pouvons aussi utiliser la photocopieuse à tout moment.